Et salut tout le monde, c'est Exceptionnel, on se trouve aujourd'hui pour le nouveau let's play. Le let's play sur Mirror Edge qui va enfin commencer. Je remercie déjà tout le monde. Je remercie tous ceux qui ont pu voter pour avoir ce nouveau let's play. Tous ceux qui ont participé à la vidéo. Et puis voilà, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir lancer ce nouveau let's play qui a été voté, parce que ça veut dire que ça va plaire à beaucoup de gens. Et non parce que je l'aurais choisi moi-même. Du coup on va lancer ça tout de suite. Le premier épisode sera sûrement plus court que les prochains. C'est juste une sorte d'introduction, histoire de voir un peu genre tout ce qui est paramètres graphiques, quel système on va, quelle qualité vidéo on va pouvoir prendre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Mon PC, à mon avis, peut supporter amplement l'élevé. Je suis pas sûr, hein, mais. Parce que j'ai un PC, voilà, il est bien, mais il est quand même pas mal vieux, donc voilà. Écoutez, j'ai rien envie de vous montrer. On va se lancer l'aventure tout de suite, je pense. On va mettre ça en mode normal, parce que bon, je suis pas non plus... Enfin, c'est quand même bien longtemps que j'ai pas joué. Il y a une cinématique, je vais vous laisser. Autrefois, cette cité était pleine d'énergie, sale et dangereuse. Mais vivante et merveilleuse. Aujourd'hui, tout a changé. Ça s'est fait sans bruit au début. Personne ne réalisait ou ne s'en souciait. Les gens ont accepté. Ils ont choisi une vie tranquille. Mais pas tous. Ceux qui ont refusé de se conformer sont devenus des marginaux. Des criminels. Ils sont devenus nos clients. On nous appelle les messagers. Nous vivons sur le fil qui sépare le brillant et la réalité. Le fil du miroir. Nous restons à l'écart, hors de vue. Et les policiers nous laissent tranquilles. Les messagers voient la ville à leur façon. Sur le fil, les toits se transforment en chemin et en conduit, en issue et en raccourci. Sur le fil, nous restons en mouvement. Et donc... envie. Entraînement, Face. Ouais, je sais, t'aimes pas. Carreau, les gens. Mais ta chute, ta mise en service un moment. Non, tiens-toi en forme. Ça peut servir dans cette ville. Et c'est donc ce nouveau parcours. Céleste me doit une course, alors suis le mouvement, ok? Si tu veux lui en mettre plein la vue, te gêne pas, ok? Ok, donc nous voilà dans la phase d'entraînement. Alors, oui, du coup, je joue sur manette. Parce qu'il faut savoir que la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai joué donc sans manette. Et je trouvais ça... j'avais beaucoup de mal à y jouer. Alors du coup, je vais jouer avec manette. Et je pense que je m'en sortirai bien mieux. Ah là là, ça fait tellement plaisir de... Tout ça en fait. Ce style... Ces sauts, ce style... Tellement de choses qui sont ouf en fait. Salut Face. Contente de te revoir plus tôt que prévu. Salut Coquine. Ça me fait plaisir aussi. Donc phase de tuto, hein, évidemment, on attend, on regarde comment ça se passe et ensuite... Et ensuite on fait correctement. Le truc c'est que bon, j'ai quand même des restes, donc ça devrait bien se passer. Je devrais assez bien suivre le mouvement. J'espère que le son sera pas trop fort à certains moments pour vous balancer. Ok, je me suis trompé. C'est l'autre. Je suis con. Ah. Aïe aïe aïe. Ah, premier fail, hein, évidemment. Bon, ça aurait été trop facile. Ah ouais, voilà, hein, tout de suite là, ça se passe mieux. Vas-y, on te suit. Bon, elle est plus vite que toi, mais la cinématique fait que en fait on est obligé de te suivre et d'attendre que tu fasses tes trucs. Alors, maintenir prolongé à gauche et à droite, vous ne pouvez pas ici. Vous pouvez pas vous hisser ici, déplacez-vous.
D'accord. Tu dois attendre. Voilà. Rimper. Ah, je me rappelle de ce passage, j'avais eu trop de mal. Tout début. Comme quoi j'ai une mémoire, voilà, quand même. Je me rappelle de choses qui m'ont fait chier dans le jeu. Vite enchaîné pour coup. C'est quoi? Attends. LB et RV, pourquoi RB? Ah! Waouh! Attendez. Ah oui, d'accord. En fait, le premier c'est le saut, le deuxième c'est pour se retourner, et en fait, le dernier c'est pour grimper sur le truc. C'est pour grimper sur la surface. Bon, au début, c'est normal que voilà, hein, ça va sûrement être plus rigolo pour. Merde. Oh non, mais non. Par contre, ça gonfle. Le tuto est vraiment chiant dans le fait que quand tu te foires, ben voilà, tu te foires, mais réellement, et ils te font vraiment sentir que voilà, tu t'as chié. Ah yes. Voilà ton tuto. Hop. Et quand même belle la vue. Ok. Pour sauter vers la tyrolienne et la saisir. Sauter. Ah là là, cette sensation, c'est juste incroyable. Ah oui, c'est quoi ça déjà? Ok, oh là là, c'est tellement propre. Pour utiliser des objets comme tremplin, hein, pour sauter sur ce toit. Il y a plein de trucs de caché, mais ça se trouve, il y a des. Oui, il y avait. Ah, mais c'est de là où on vient, non? Ah, ouais! D'accord, en fait, on a fait tout le tour, ok, ok. Ah, on est trop sûr. Ah, oui. Merc veut que je teste tes talents de combat. On ne sait jamais. T'es prête? Ok, vas-y. Une attaque sautée. Bim. Merde, trop tôt. Ok, Face. On va essayer un peu le désarmement. Au cas où. Ok. Tirer. Mais pas sur Céleste. Lâchez l'arme. Attendez. Okay. Rappelle-toi ce que je t'ai appris. Isole-les, prends-en un à la fois si tu dois te battre. Pour deux armées de front, lorsque l'arme est rouge, guettez le bon moment. Oh là là! Je me rappelais plus de ce truc-là. Ok. On a vu un petit signe comme quoi le gun était tout rouge. Et comme quoi c'était bon. Ok, c'est bon pour aujourd'hui les filles. On va passer aux choses sérieuses. Break a un boulot pour toi, Sel. Vois ça avec lui. Face, fais-moi signe quand t'es prête. A plus tard, Face. Entraînement terminé, que voulez-vous faire? Jouer, rester, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on... Faut voir les défis. On va pas faire spécialement de défis, mais il y a encore des trucs à faire en fait. Attendez. Et on peut peut-être passer là-dessus et sauter directement là, non? Ah non, attendez. Ah.
Non, pas là. Hop. Est-ce que ça passe? Oui. Non. Ouf. Passe. Oui. Alors. Ok. Aïe, je me suis pété la jambe. Non mais voilà, je pense que je vais juste faire un petit peu tout ça, je vais retester un peu les choses tranquillement. Essayer de vous montrer un peu mes compétences. Hop. 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 Voilà. J'adore faire ce genre de truc, c'est ouf. C'est juste incroyable. En plus quand c'est tellement. Enfin quand c'est fluide comme ça, c'est impressionnant, enfin, je trouve ça beau. Aïe. Deux pétages de jambes, normalement j'en ai plus. Oh. La pauvre. Hop. Là. Et. Bon. Oui d'accord, en fait tout est lié. Enfin tout est lié. Pas vraiment mais je veux dire. Pourquoi? Ah attendez. Ah oui c'est le truc de tout à l'heure. Attendez. Si je fais. Ah c'est à peu près ça mais fallait que je le fasse bien. Hop. Non mais voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense qu'on sera bien chaud pour les prochains épisodes. Hop. Bon bah écoutez les gens, c'était exceptionnel sur le jeu Mirror Edge, la première partie. Bah ça me fait extrêmement plaisir hein, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le dirai de nombreuses fois durant tout le let's play je pense. Voilà, un let's play qui va être incroyable, ça c'est clair et net. Je vais me faire plaisir et je vais vous faire plaisir en même temps, ça c'est. Voilà, c'est sûr et certain. Et puis j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi sur le let's play. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était exceptionnel sur le jeu Mirror Edge pour le let's play numéro 1. A très bientôt tout le monde. Ciao.